Mes frères et sœurs, mes fils et mes filles, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wa salamu ala al-habibi al-Mustafa, sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam tasliman kathira. Théodore Herzl et la disparition d'Israël. Je vais me lancer dans un petit challenge. Vous proposez une personnalité qui a un lien avec Israël. Je rajoute et la disparition d'Israël. Et je respecte exactement ce que vous allez voir. Et vous allez voir, comme d'habitude, que Al-Mubin va opérer. Que le 76 va s'imposer. Que le 78 va s'imposer. Donc, Théodore Herzl, vous le connaissez, lui, mort à 44 ans. Et c'est lui qui a fondé le sionisme que vous connaissez. Cette tumeur cancéreuse, cette tumeur maligne qui s'appelle le sionisme. Donc, comme d'habitude, je pose une image, je pose le fameux verset par lequel maintenant je boucle toutes les études sur la disparition d'Israël. C'est le fameux verset de Sourate al-Isra. Date de l'étude, le 23-5-2021. Nous sommes le 23-5-2021. Parfait. Étude bouclée aujourd'hui, que je publie aujourd'hui. Très bien. Donc la programmation divine de la date de l'étude, 23-5-2021. Dites-moi, comment c'est possible s'il n'y a pas de volonté divine? Le 23-5-2021, Allah a voulu que le fameux 23 soit un nombre premier qui a comme rang 9. Le 5 est un nombre premier qui a comme rang 3. Le 3 est un nombre premier qui a comme rang 2. Le 2 est un nombre premier qui a comme rang 1. Vous êtes habitués maintenant. Depuis quelques jours, je fais la même chose. Somme sans les ronds, somme avec les ronds. Parfait. J'applique Al-Mubin, la ligne des restes de la division. Ça veut dire je divise par le 114 et le 23. Ici, c'est le reste de la division euclidienne de 2049 par 114. Si tu divises 2049 par 23, ça te donne comme reste de division 2. Ainsi de suite. Allah a voulu que ce nombre soit premier, il a comme rang 1. Allah a voulu que ce nombre soit premier, il a comme rang 7, qui a comme rang 4. Regardez la beauté. Je vous ai dit que tout, mais vraiment tout, est codé pour pointer vers le 114. Donc ici, regardez bien, ici, 114 s'impose. Ça, c'est l'identité numérique d'Allah, l'identité numérique de le Coran. 12 plus 17 plus 7 plus 4 égale à 40. Ok. Pourquoi le 40? Ça, c'est un nombre d'Al-Mubin. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il avait 40 ans quand il a rencontré la révélation. 114 moins 40 égale à 74. Pourquoi? La durée de vie d'Israël dans le système solaire. 1948 plus 74 égale à 2022. Que Israël disparaisse en 2022 ou pas. Dites-moi comment ce que vous êtes en train de voir est possible. Mais vous allez voir, l'avenir vous dira, l'histoire vous dira, que quelle que soit la date de la disparition d'Israël, qui est dans la science d'Allah subhanahu wa ta'ala, vous allez vous rendre compte un jour que le 74, le 2022, le 76 ont un lien infini avec la disparition d'Israël. Maintenant, 11 moins 2. Égale à 209. 17 moins 12 égale à 5. 109 est un nombre premier qui a comme rang 29. 29 est un nombre premier qui a comme rang 10. 5 est un nombre premier. Ici, cette ligne principale, 109 plus 5 égale à 114. Allahu Akbar. Allahu Akbar. 109 moins 29 moins 10 moins 5 moins 3 moins 2 moins 1 égale à 59. 59 est un nombre premier qui a comme rang 17. 17 est un nombre premier qui a comme rang 7. 7 est un nombre premier qui a comme rang 14. 59 plus 17 plus 7 plus 4. Regarde ici. Ici, cette partie-là. Moins 7 moins 4 égale à 76. La durée de vie d'Israël dans le système lunaire. 1367 qui correspond à 1448, la création de l'entité sioniste, plus 76 ans égale à 1443, qui est
l'année 2022 en égyrien. Le système de la sourate Al-Isra, maintenant vous êtes habitué. Le système Al-Isra, vous êtes habitué. Puisque l'Isra, c'est la sourate qui parle de l'avènement de deux états pour les Israélites. Et puisque sourate Al-Isra s'appelle aussi Banu Israël, les enfants d'Israël. Et puisque toutes les recherches sur la disparition d'Israël ont commencé par sourate Al-Isra, par Cheikh Bassam Jarrar, qu'Allah le bénisse et qu'Allah lui donne vie jusqu'à la disparition d'Israël. C'est pour ça que j'utilise le système de l'Isra. Donc le Aleph, c'est la lettre la plus utilisée dans sourate Al-Isra. Le Lam, c'est la suivante. Le Noun, c'est la suivante. Le Waw, c'est la suivante. Ainsi de suite. Parfait. Le fondateur du sionisme, Theodor Herzl, dans la langue des premiers. Theodor Herzl, dans la langue des premiers. C'est quoi la langue des premiers? Vous êtes habitués. Je prends les 26 lettres de l'alphabet français et je pose devant les 26 premiers nombres premiers. Vous pouvez poser n'importe quelle série de nombres premiers. Vous pouvez même inventer un système. Et vous allez voir que ça va matcher. Donc ici, sans les rangs. Ici, avec les rangs. Ok. Somme. Le fondateur du sionisme, Theodor Herzl, dans la langue de Al-Isra. Vous pouvez mettre un autre système. Mais puisque je travaille sur la langue Al-Isra, on va poser avec la langue Al-Isra. Donc Theodor Herzl, total 101. Donc je préfère le total comme ça. C'est un nombre premier qui a comme rang 26. Et Theodor Herzl avec les rangs. Parfait. Maintenant, la programmation divine de Theodor Herzl et de Theodor Herzl en français et en arabe. Et j'appliquerai exactement la même chose, par exemple, demain, ce soir, cette nuit, je vais faire l'étude sur Netanyahu. Benjamin Netanyahu. Et je vais respecter exactement la même chose. Donc Theodor Herzl. Somme. Concentrez-vous bien, ça va vous déstabiliser. Ça va vous dérouter, comme d'habitude. J'applique Al-Mubin, reste. C'est un nombre premier, j'ai des rangs, je peux continuer. Ok, somme sans les rangs, vous aurez le fichier Excel, somme avec les rangs. Il n'est pas premier, je peux arrêter. 88 plus 99 égale à 187. J'applique Al-Mubin, reste. Allah a voulu que ce nombre soit premier, il a comme rang 21. Allah a voulu que ce nombre soit premier, il a comme rang 2 qui a comme rang 1. Parfait. La ligne principale, 73 plus 3 égale à 76. La durée de vie d'Israël dans le système lunaire. Parfait. Maintenant, 73 moins 3 égale à 70, n'est-ce pas? Maintenant, observez. 49 moins 21 égale à 28. 17 moins 1, exactement la même chose. Lui moins lui, et le plus grand moins le plus petit. Égale à 16. 28 plus 16 égale à 44. C'est ce que cherche le 70 pour former le 114. Obligatoirement, le tampon, la validation, le critérium, l'identité numérique d'Allah, l'identité numérique du Coran. Ok. Maintenant, 49 moins 21. Regardez bien. 49 moins 21 égale à 28, n'est-ce pas? Maintenant, on a des rangs ici. On a des rangs. Donc 17 moins 7 moins 4 moins 1. Observez. Égale à 5. 28 moins 5 égale à 23. L'identité numérique d'Allah, l'identité numérique du Coran, la durée de la révélation. Lui ne peut pas venir sans lui. Lui ne peut pas venir sans lui. Lui, il est codé à l'intérieur de lui-même pour le ramener lui. Et lui, il est codé à l'intérieur de lui-même pour ramener lui. Il a fallu 23 ans pour les 114 sourates du Coran, pour la révélation des 114 sourates du Coran. 23 est un nombre premier qui a comme rang 9, n'est-ce pas? 23 plus 9 égale à 32. 32, regarde ici ce 44. Regardez bien, 32 plus 44 égale à 76. Allahu Akbar. Parfait. On a fait 23 plus 9. On va faire 23 moins 9. Et vous allez voir que tout pointe vers la même chose. 23 moins 9 d'après vous, c'est quoi? C'est 14, n'est-ce pas? Maintenant, 73 plus 21 plus 3 plus 2 plus 1 égale à 100. Regardez bien la beauté. 100 plus 14 égale à 114. Allahu Akbar. Et 100 moins 14 égale à 86. J'applique El Moubine. Je divise par le 23.
le reste de la division, 17. 17 est un nombre premier qui a comme rang 7. 7 est un nombre premier qui a comme rang 4. 17 plus 7 plus 4 égale à 28. 28 plus 86 égale à 114. Et la boucle est parfaitement bouclée. Là, ça a l'air tellement fluide et simple quand tu le vois. Concentre-toi sur chaque tableau, sur chaque étude et pose-toi une question. Dis-toi, moi je vais travailler sur le 61 et le 19, le 79 et le 99. Et tu verras que tu vas toujours te trouver devant lui et devant lui, obligatoirement, quelle que soit l'approche que tu vas faire. Très bien. Pourquoi tu n'as pas pris en compte le nombre premier 619? La surprise. Regardez la beauté. Et si c'était un nombre premier, regardez son rang. Allahu Akbar. Vous le connaissez son rang, n'est-ce pas? Donc observez. 799 plus 619 égale à ce nombre. Et 799 moins 619 moins 114 égale à ce nombre. Une approche parmi tant d'autres. J'applique El Moubine. Reste, 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 reste. Ok. 50 plus 15 plus 66 plus 20 égale à 151. 151 est un nombre premier qui a comme rang 36. 114 moins 36 égale à 78. La disparition d'Israël dans le système de la sourate Al-Isra. Zawalu Israël dans le système d'Al-Isra. Le total est 78. Ok. Maintenant, 151 plus 36 égale à 187. Ça vous rappelle quelque chose ou pas? Vous avez déjà oublié. Vous allez voir qu'il va s'imposer tout le temps, le 187. Ça vous rappelle quelque chose? Le voilà. En entrée de jeu. Theodor Herzl, Theodor Herzl. En entrée de jeu, il s'est imposé. Et là, regardez bien comment il s'impose encore. Autrement, en prenant en compte le rang, regardez bien, avec un autre cheminement, il s'impose encore. 151 plus 100 rang donne le 187. Et vous n'avez pas oublié, n'est-ce pas? 73 plus 3 égale à 76, n'est-ce pas? Maintenant, 50 moins 15. Regardez bien, toujours la même chose. 50 moins 15 égale à 35. Et 66 moins 20 égale à 46. 46 plus 35 égale à 81, n'est-ce pas? Ce 81, regardez, il va regarder ici, puis il va regarder ici, puis il va regarder tout le monde. Observez. 81 plus 3 plus 2 plus 1. 81 plus 3 plus 2 plus 1. Ce 81, n'est-ce pas? Rappelez-vous d'où il vient. Égal à 87. Et 46 moins 35 égale à 11, rappelez-vous, tout à l'heure. 87. Il y a eu un 11, rappelez-vous, qui a permis au 87 de ramener le 76. 87 moins 11 égale à 76. La durée de vie d'Israël dans le système lunaire. Maintenant, on a dit que le 81 va regarder ici, il va aussi regarder ici. Observez. 81 plus 73, regardez bien, plus 73 plus son rang égale à 175. Il y a eu le 76, maintenant il faut le critérium. J'applique El Moubine. Reste, reste. Allah a voulu que ce nombre soit premier, il a comme rang 18. Observez. 61 plus 14 égale à 75. 61 moins 100 rang moins 14 égale à 29. 29 est un nombre premier qui a comme rang 10. 75 plus 29 plus 10 égale à 114. À la perfection. Il y a eu le 76. Il faut le tampon. Il faut la validation. La validation. Il faut l'identité numérique d'Allah. Il faut l'identité numérique du Coran. Maintenant, 75 moins 29 moins 10 égale à 36. 114 moins 36 égale à 78. La disparition d'Israël dans le système de la Sourate al-Isra. Parfait. Maintenant, 36 celui-là. Et le fameux 36 initial, rappelez-vous. Regardez bien, c'était où? C'était lui. 36 plus 36, observez. Regardez bien la beauté, égale à 72. D'accord. Maintenant, le 81, je vous ai dit qu'il va regarder tout. Regardez bien, il va regarder maintenant. Il a regardé ici, puis ici. Maintenant, il va regarder tout le monde. On le somme avec tout le monde. Observez. Le 81 plus tout le monde, regardez bien, ça donne quoi? Ça donne le 181. Appliquons El Moubine. Reste, reste. Allah a voulu que ce nombre soit premier, il a comme rang 19. 19 est un nombre premier, il a comme rang 8. 67 plus 19 plus 8 égale à plus 20 égale à 114 à la perfection. Et Allah a voulu que le 181
est un nombre premier qui a comme rang 42. C'est ce que cherche le 72 pour former le 114. Allahu Akbar. Observez. Maintenant, nous avons fait 72 plus 42 égale à 114. Et 72 moins 42 égale à 30, n'est-ce pas? Maintenant, observez. 73, c'est pas plus, c'est moins. 73, moins. Et moins. Rappelez-vous de ça. C'est bon, vous vous rappelez. Moins. Et moins. Donc, regardez bien. Le 46, d'où il vient. Regardez bien. 73, moins 21, moins 3, moins 2, moins 1, c'est donné par le 187. Égal à 46. 46 plus 30, égale à 76. La durée de vie d'Israël dans le système lunaire. Dites-moi comment c'est possible. Parfait. La disparition d'Israël, Zawalu Israël, dans la langue de Al-Isra. Donc Zawalu Israël, Zawalu Israël. La somme est 63 sans les rangs. La somme est 78 avec les rangs. Vous êtes habitués. Très bien. Donc on le rajoute. La programmation divine de Theodor Herzl, et de Zawalu Israël. Observez. Somme, 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 somme. Et somme, somme, je somme tout. Regardez bien. Et je somme tout, et je ferai exactement la même chose pour n'importe quelle personnalité que vous allez me donner, Inch'Allah. Et je, ce soir, cette nuit ou demain, je vais appliquer sur Benjamin Netanyahu. Donc, la somme est la somme. J'applique le mobile. Reste, 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 reste. Allah a voulu que ce nom soit premier, il a comme rang. Allah a voulu que ce nom soit premier, il a comme rang. Parfait. Somme sans les rangs, toujours la même démarche. Dès que j'ai des rangs, j'applique, et vous pouvez l'appliquer vous-même, sur vos familles, sur ce que vous voulez. La somme avec les rangs, parfait. Reste, 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 reste. Allah a voulu que ce nombre soit premier, il a comme rang 1. Maintenant, observez. 2 plus 1 plus 6 plus 4 égale à 13. 13 est un nombre premier qui a comme rang 6. 13 plus 6 égale à 19. 19, regarde ici. 95 plus 19 égale à 114, à la perfection. Et 95 moins 19 égale à 76, la durée de vie d'Israël dans le système lunaire. Vous allez dire, c'est le hasard. Pas de problème. On reprend tout ça, d'accord? Puisqu'on a un rang, on va continuer le processus. Ok, observe. Donc on reprend le tout. Et puisque nous avons un rang, on continue le processus. Somme sans les rangs. Somme avec les rangs. Avec le rang. Allah a voulu que ce nom soit premier, il a comme rang 28. On continue. Somme sans le 28. Somme avec le 28. Ok, on continue. J'applique Al-Mubin. Reste, 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 reste. Allah a voulu que ce nom soit premier, il a comme rang 26. Allah a voulu que ce nom soit premier, il a comme rang 6. Regardez bien quelque chose de bizarre. 101 plus 13 égale à 114. Vous allez dire, c'est le hasard qui fait ça, n'est-ce pas? Observez. Et dites-moi comment vous pouvez réfuter ou expliquer. Donc lui a regardé lui pour former 114, n'est-ce pas? Maintenant, lui et lui. 8 plus 15 égale à 23, n'est-ce pas? 114, 23. Donc il reste lui, il reste lui. Vous êtes d'accord? Observez. 101 moins 8 égale à 93. 15, c'est 15 moins 13. 15 moins 13. Vous aurez le fichier Excel pour tout vérifier. C'est bon? 15 moins 13 égale à 2. 93 moins 2 égale à 91. 91 plus 23 égale à 114. Ou 91 moins 23, à toi de choisir. 114 moins, je préfère moi, 91 plus 23, non? À vous de voir, d'accord? Moi, c'est lui, plus lui, égale à 114, ok? Je préfère. Donc, 91 plus 23, à vous de choisir, c'est à vous de choisir, 91 plus 23. Et la boucle est parfaitement bouclée. Maintenant, on a fait 91 plus 23. On a fait 93 moins 2. On va faire 93 plus 2. 93 plus 2 égale à 95, n'est-ce pas? Maintenant, rappelez-vous de cette partie-là, qui n'avait pas encore travaillé. Cette partie-là, l'extrême et l'extrême. Les rangs, observez. 13 plus 6 égale à 19, vous êtes d'accord? 19 est un nombre premier qui a comme rang 8. Et 101 plus 26, regardez bien. 101 plus 26 égale à 127. Lui, il est premier, il a comme rang 8. Lui plus lui, ça vous rappelle quelque chose. 95 plus 19, ça vous rappelle quelque chose. Et 95 moins 19, ça vous rappelle quelque chose. C'est bon. 95 plus 19, 95 moins 19. Ça s'impose.
Hop, simple. Vous allez voir que la boucle va être parfaitement bouclée. Donc lui et les premiers, il a comme rang 31, qui a comme rang 11, qui a comme rang 5, qui a comme rang 3, qui a comme rang 2, qui a comme rang 1. Observez la beauté. 95 plus 19 égale à 114, n'est-ce pas? 95 moins 19 égale à 76. Vous le connaissez. Parfait. Maintenant, il reste quoi? Il reste lui et lui. Le 95 a travaillé avec lui, vous êtes d'accord? Maintenant, le 95 va travailler avec lui aussi. Observez. 95 plus 127 plus les rangs égale à 275. J'applique El Moubine. Reste, reste. Allah a voulu que ce nombre soit premier, il a comme rang 15, n'est-ce pas? 47 plus 15 plus 22 égale à 84. Ok. 84 moins le 8 qui n'a pas encore travaillé. D'accord? La boucle est parfaitement bouclée. Il manquait le 8 qui n'a rien fait encore. Regardez bien. 84 moins 8 égale à 76 à la perfection. Allahu Akbar. Parfait. Pourquoi tu n'as pas pris en compte le rang du nombre premier 877? Observez. Ici, il y avait un premier. Mais un premier qui va vous donner une crise cardiaque. Il a comme rang 151, qui a comme rang 36. Ça vous rappelle quelque chose ou pas? Ou vous l'avez déjà oublié? Observez. 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 C'est où? C'est où? C'est où? Ah, 151 plus 36. 151 plus 36. Donc le 187 veut s'imposer à la perfection. Observez. Donc c'était où, c'était où, c'était où, c'était où, c'était où, c'était où. Voilà, juste après. Ah, 151 plus 36 égale à 187. 73 plus 3 égale à 76. Il reste quoi? Il reste lui et lui, n'est-ce pas? 877 plus 682 donne ce nombre. 877 moins 682 donne ce nombre. Parfait. J'applique El Moubine. Reste, 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 reste. Allah a voulu que ce nombre soit premier. Il a comme rang 5, il a comme rang 3, il a comme rang 2, il a comme rang 1. Parfait. La somme, sans les rangs, est-ce que ça vous rappelle quelque chose? C'est bon, le 187 qui s'impose depuis la première ligne. C'est bon. Pourquoi? Parce que 73 plus 3 égale à 76. Allahu Akbar. Maintenant, 77 moins 18 égale à 59. 81 moins 11 moins 5 moins 3 moins 2 moins 1. Comme par hasard, il y a la 59. Pourquoi? 59 est un nombre premier qui a comme rang 17, qui a comme rang 7, qui a comme rang 4. Il s'impose doublement. Parfait. Il est double. La somme, 174. Pourquoi? Il y a eu le 76. Il faut le critérium. Ok. C'est quoi le critérium? Vous le connaissez. J'applique El Moubine. Reste, reste. Allah a voulu que ce nombre soit premier. Il a comme rang 6. Pourquoi? 60 plus 13 égale à 73. 60 moins 13 moins 6 égale à 41. 73 plus 41 égale à 114. Allahu Akbar. Le 76, la disparition d'Israël, le critérium et la validation. Parfait. Le verset que j'ai choisi pour illustrer cette étude. Et après lui, nous dîmes aux enfants d'Israël, habitez la terre, puis lorsque viendra la promesse de la vie dernière, nous vous ferons venir en foule. Parfait. Vous êtes habitués maintenant. Il est dans Surat al-Isra, qui a comme numéro 17, qui a comme nombre de verset 111, le numéro de ce verset 104. Et le 17 est un nombre premier qui a comme rang 7. 7 est un nombre premier qui a comme rang 4. Ok. Somme sans les rangs. Somme avec les rangs. Parfait. La programmation divine avec l'identité du verset. Donc voici l'identité du verset. Voici Theodor Herzl en français. Voici Theodor Herzl en arabe. Voici Zawal Israël, la disparition d'Israël. La somme. La somme. Ok. J'applique toujours la même chose. C'est bon. Le reste de la division, Allah a voulu que ce nombre soit premier, il a comme rang 1. Ok. Lui aussi, il est premier, il a comme rang 7 et 4. Mais observez. 94 plus 17 plus 2 plus 1 égale à 114. Regardez bien. 94 plus 17 plus 2 plus 1. Allah les pose et les code à l'infini. Donc regardez, cette partie-là égale à 114. Ok. Maintenant, 94
moins 17 moins le rang du 1 égale à 76, comme par hasard. Ok, cette partie-là. 94 moins 16 égale à 78, n'est-ce pas? Vous avez vu que lui, il a travaillé avec le 2 et le rang. Lui, il a travaillé avec le rang. Maintenant, elle devient le 78, il va travailler avec le 2. 78, 94, moins 16, moins 2, égale à 76. La durée de vie d'Israël. Est-ce que vous avez vu le raffinement et la puissance? Ça, c'est une approche. Vous avez une infinité d'approches. Parfait. La date de naissance de Theodor Herzl, le destin d'Allah, donc. Il est né le 2 mai 1860, n'est-ce pas? 2 mai 1860. Le 2 est un nombre premier, qui a comme rang 1, le 5 est un nombre premier. Parfait. Somme sans les rangs. Somme avec les rangs. Allah a voulu que ce nombre soit premier, il a comme rang 285. Ok, la programmation divine avec la date de naissance et identité de verset. Theodor Herzl, Zawal ou Israël, somme date de naissance, sans les rangs et avec les rangs. Parfait. La somme. Regardez. La somme. Et j'appliquerai exactement la même chose sur plusieurs personnalités qui ont un lien avec Israël. Le reste de la division, lui, il est en jaune parce que c'est un nombre d'Al-Mubin. Ok. 102 plus 7 égale à 109. 30 plus 4 égale à 34. Allah a voulu que ce nombre soit premier, il a comme rang 29 qui a comme rang 10. Ok. 109 plus 29 plus 10 moins 34 égale à 114. À la perfection. Ok. 109 moins 29 moins 10 moins 34 égale à 36. Pourquoi? Parce que 114 moins 36 égale à 78, la disparition d'Israël dans le système de l'Isra. Ok. On reprend les nombres et on n'a pas utilisé le rang ici. Le rang 17, on ne l'avait pas utilisé. Parfait. Somme sans le rang. Somme avec le rang. Parfait. J'applique le mobile. Reste. Surprise! 29 plus 5 plus 33 plus 9 égale à 76. Et j'arrête ici parce que ça ne s'arrête jamais. Ok. La date maintenant de décès de Theodor Herzl, le 3 juillet 1904. D'après vous, ça va matcher ou pas? Là, on parle de destin. Allah a voulu qu'il vive 44 ans. Ok, observez. 3, 7, 1904, son décès. 3 est un nombre premier, 7 est un nombre premier. Ok, on continue. Somme sans les rangs. Somme avec les rangs. Si on se concentre sur chaque année, on trouvera des merveilles. Mais si je me concentre sur chaque chose, l'étude se fera sur 200 heures. Et là, vous ennuyez déjà. Je ne sais pas combien ça dure là. 27 minutes et je pense déjà que quelques-uns sont déjà partis, malheureusement. La programmation divine avec la date de décès. Identité du verset. Ok. Theodor Herzl, Zawal ou Israël. Somme date de naissance. Somme date de décès. Ok. Somme. Et 100. J'applique le mobile. Reste. Je pouvais isoler le 78, qui est la date de la disparition d'Israël, et travailler sur les autres. Mais je vais vous montrer une autre. 78 moins 12 égale à 66. 13 plus 16 égale à 29. 29 est un nombre premier qui a comme rond 10. Ok. 66 plus 29 égale à 95. 29 moins 10 égale à 19. Ça vous rappelle quelque chose? 95 plus 19 égale à 114. 95 moins 19 égale à 76. Allahu Akbar. Parfait. La programmation divine avec la date de l'étude maintenant. Je pousse le raisonnement à l'extrême. La date de l'étude elle-même. Cette journée très particulière, le 23. Vous le connaissez le 23. 5 2021. Donc l'étude. Ok. 100. Somme sans les rangs. Somme avec les rangs. Donc observez. Observez, dites-moi comment c'est possible, la date de l'étude. La date de l'étude. 2049-2064. Ok, somme. 75 plus 14 plus 25 égale à 114. À la perfection. Regardez comment Allah les pose. 75 moins 14 moins 25 égale à 36. 114 moins 36 égale à 78. Ok. La disparition d'Israël. Parfait. 75 moins 14, parce que vous allez me dire, et le 10.
75 moins 14 égale à 61. 25 moins 10 égale à 15. Surprise! 61 plus 15 égale à 76. Est-ce que vous avez vu qu'il y a quelque chose, non? Les amis, j'espère que vous l'avez vu. Sinon, moi je parle de folie. Si vous ne le voyez pas, c'est qu'il y a un problème. Là, moi je ne fais rien, les amis. Wallah, je ne réfléchis pas. Vous pouvez me challenger, d'accord? Vous pouvez me challenger. Vous me dites, je vous donne une heure. Travaillez sur telle personnalité de la même manière. Une heure, top chrono. D'accord? Allez, je vous donne. À chaque fois maintenant, je vais vous donner le numéro de téléphone. Comme ça, si vous êtes flemmard, 06 32 64 07 67. Si vous êtes flemmard, allez, le voilà, mon numéro de téléphone. Et à chaque fois qu'une personne se convertit à l'islam grâce à ce travail, annoncez-moi la bonne nouvelle. Et si je vous trouvez que je suis mort, informez mes enfants. Ils vont être très heureux, très contents que leur papa a consacré sa vie à la guider des gens, par amour pour ses frères et sœurs. Parfait. Maintenant, 75 moins 14 égale à 61. 25 plus 10. 25 plus 10 maintenant. Regardez bien. On avait fait 25 moins 10. 25 plus 10. 35. 61 est un nombre premier qui a comme rang 18. 61 plus 18 plus 35 égale à 114. Il y a eu le 76. Obligatoirement, il faut le critérium. Obligatoirement. D'accord? Et 61 moins 18 plus 35, ça donne encore une fois le 78, la disparition d'Israël dans le système de la sourate al-Isra. Parfait. Maintenant, 75 plus 14. 75 plus 14. On va s'amuser. Égale à 89. Et 25 moins 10. Regardez bien. 25 moins 10. Quoi que tu fasses. Égale à 15. 89 moins 15. 74. La durée de vie d'Israël dans le système solaire. 1948, la date de la création de l'entité sioniste, plus 74 ans, pile poil 2022. Qu'elle disparaisse ou pas, dites-moi comment c'est possible. La disparition d'Israël, c'est rien. Oui, moi je vous le dis. Allah a codé tout dans le Moubine, oui. Avec le Moubine, tout est codé. Quelles que soient les dates que tu veux, ils sont codés. Toutes les choses, ils sont codés. Mais ça, c'est rien. C'est rien, vraiment. Par rapport au code lui-même, par rapport à ce que le code montre, c'est ça qui est phénoménal et qui dépasse l'entendement. Parfait. Maintenant, allez, je m'amuse. La date de la création de l'État sioniste, 14 mai 1948. 14-5-1948. C'est ça la date de la création de l'État sioniste. Ok. Ça vous rappelle quelque chose, 1967. Allez étudier l'histoire de Israël. Ok. Et celle-là, ça vous rappelle quelque chose, 1973. C'est peut-être la première fois que quelqu'un voit ça par rapport au code Al-Mubin, il voit ça. Allez voir ça et allez voir ça. Allah a voulu que ce nombre soit premier, la Comoran 299-18. Si Israël ne disparaisse pas en 2002, peut-être il faut rajouter le 67 ici. La colonisation de pas mal de terres en 1967. D'accord? Peut-être. On ne sait pas. Allah seul nous dira. Ça, c'est le ilm d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Nous, on interprète des choses qui sont d'une logique implacable. Implacable. On essaie d'interpréter. La date de la disparition, maintenant, de l'État sioniste, le 25 avril 2022. Wallahi, moi, qui a dit et qui a posé depuis plusieurs mois, dans la série, regardez, celle-là, je l'ai créée, depuis plusieurs mois, peut-être depuis 7-8 mois, et j'ai mis ça, Zawal Israël, le 23 Ramadan 1443. Pour moi, cette date, que j'ai trouvée par plusieurs approches, c'est pas, il n'est pas tombé du ciel, je l'ai vraiment trouvé par plusieurs approches, et je ne sais pas, quelle que soit la date de la disparition, le pourquoi du comment. Et Allah m'a annoncé la bonne nouvelle parce que ma fille a atteint son terme, Jana, et est née le 23-9. Subhanallah. Est-ce que pour soutenir, est-ce que pour réconforter, j'ai posé ça avant la naissance de ma fille. Et ma fille, pour la première fois, une de mes filles, atteint son terme. Et là, aujourd'hui, date anniversaire, 8 mois, et elle est née le 23-9. Alors que moi j'ai posé le 23 Ramadan 1443. Je suis sûr et certain que dans d'anciennes études, j'ai posé l'équivalent approximatif dans le convertisseur grégorien égyrien. Et subhanallah, quand j'ai posé subhanallah, et j'ai vu le 25-4-2022, j'ai dit la ilaha illallah. Est-ce que ça vous rappelle quelque chose? Le 25 avril, les sionistes ont posé leurs pieds dans l'Aqsa,
ils ont mis la discorde et le fitna le 25-4 pendant le mois de Ramadan dernier. C'était ce jour-là où ils ont posé leurs sales pieds dans l'Aqsa et ils ont malmené, ils ont traumatisé, ils ont essayé de faire peur, ils ont voulu tuer, ils ont voulu faire mal. Quand j'ai vu ça, subhanallah, peut-être quand je l'avais posé il y a 7-8 mois, je n'avais pas vu parce que je connais pas le rêve, je ne connais pas l'invisible. Mais quand j'ai vu que c'est pile poil, subhanallah, la date du 25-4, quand ils ont mis leurs sales pieds, allez voir, quand ils ont mis leurs sales pieds dans l'Aqsa, j'ai dit peut-être Allahu Akbar. Cette date, le 23 Ramadan 1443, correspond à quelque chose d'extraordinaire. Il faut que je le pose ici. Il ne faut pas que je l'oublie. Comme ça, vous avez l'équivalence. Le 23 9. Le 23 9. 1443. Subhanallah. Qu'est-ce que je fais comme ça, moi? Qu'est-ce que je fais? Donc ici. Ça, je l'enlève. Voilà, parfait. 23-9, parfait. Donc, observez. J'ai les deux dates. Date de la création et une date approximative. Peut-être. Une date bizarre. Qu'elle disparaisse ou pas. Dites-moi comment c'est possible. Donc, l'identité du verset. Théodore Herzl. Théodore Herzl. Zawal Israël. Somme date de naissance. Somme date de décès. Somme date de l'étude. Somme date de la création. Et somme date de la disparition. Il n'y a pas de rang. Rappelez-vous, il n'y a pas de rang. D'accord ? Pas de rang. Puisqu'il n'y a pas de rang, il y a 2051, ici il n'y a rien. Ok. Somme, on va dire le nombre comme il est, somme de tout, n'est-ce pas ? Normalement, ça n'a ni queue ni tête, n'est-ce pas ? Somme de tout. Ok. J'applique le moubine. Reste, 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 reste. Allah a voulu que ce nombre soit premier, il a commencé en 25. Observez par quoi Allah commence. 103 moins 27 égale à 76. Donc lui a travaillé avec lui, vous êtes d'accord? Donc il reste eux. 103 plus 7 plus 14, plus 4 égale à 114. C'est bon, vous avez compris ce qu'on fait les amis. Ça mérite d'être vu par des millions de personnes, non? Ça mérite d'être vu tout ça par des millions de personnes. Ok, observez. 7 plus 16 égale à 23. Allahu Akbar. Le rang du 83, n'est-ce pas? Maintenant, 7 plus 4... plus 16, plus celui qui attendait. Regardez bien, 7 plus 16, et maintenant lui, plus lui, plus lui, plus lui, égale à 31. 31 plus 83, égale à 114. Allahu Akbar. Ok. Le plus grand, moins le plus petit. Lui, plus lui, moins eux. Et lui, moins lui. Ok, observez. 103 plus 27, plus 100 rang, moins 7, moins 4, égale à 119. Et 16 moins 4, égale à 12. 119 plus 12, égale à 131. J'applique le moubine. Reste, reste. Allah a voulu que ce nombre soit premier, il a comme rang 32. Et 17 est un nombre premier qui a comme rang 7, qui a comme rang 4. Observez la somme. Surprise. Parfait. Lui plus lui. Lui plus son rang. Égal à 163. J'applique le moubine. Reste, reste. Allah a voulu que ce nombre soit premier, il a comme rang 1. 49 plus 2 plus 1 égale à 52. 49 moins 2 égale à 47. Allah a voulu que ce nombre soit premier, il a comme rang 15. 52 plus 40, 47 plus 15 égale à 114. Le 76, il faut obligatoirement le critérium. Et le 163, c'est un nombre premier qui a comme rang 38. 114 moins 38 égale à 76. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Wa qulna min ba'dihi li bani Israil askunu al-ardha. فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا الله أكبر الله أكبر الله أكبر 38 en plus 114 moins 38 égale 76 partagez 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 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته